s'est cassé les jambes, le teammate. Il s'est cassé les jambes, l'allié. Oh oui, le coup de temps pour la LAS. Oh là 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 là, c'est trop bon. Yop les gars, Spunkill, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça super. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour l'épisode 6 des classes TikTok, votre série préférée sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on a du très très lourd. On a des grosses parties. Vous allez être choqués. Donc, je compte sur vous pour défoncer la barre de likes sur cette vidéo. On va essayer de refaire les 4000 likes. Donc, je compte sur vous. Donc, tu mets pause, tu mets ton petit like, tu t'abonnes bien évidemment et tu actives la foutue cloche. Et nous, on est parti pour des masterclass. C'est vrai que ça a l'air d'être fort, mais bon. Clavier souris avec une arme à rafale, je sais ce que ça va donner, hein. Je sais que je vais hurler. Hein. Oh, la classe, c'est dur. Oh, mais lui, c'est un vrai TikToker, ça. Le mec a laissé la classe 3 secondes. Ça, c'est un vrai, ça. Après, le dernier, il prend vraiment cher pour le coup, hein. Putain. Vas-y, on va tenter ça. MX silencieux. En 2, canon, perfetto, 140. Non, non, non. G16, 2,5. Ok. Cross, perfetto. C'est celle-là. Poignée en bout. Atout 1, il met vital. J'aime pas trop mettre vital, moi. Poignée arrière. Ah, mais ça, je sais pas, ça. Leather grip. Poignée en cuir. Ok. On aura appris un mot. Leather, ça veut dire en cuir. Chargé à bloc en 2. Ok. Canon 32 cartouches. Donc là, il a mis 1 ou 2, là. Ouais, il met celui-là. Hop. Balle, il met allongé. Et en dernier, il met garde-main. Ok. Est-ce que j'ai un petit camouflage, là? Ouais, les camouflages, on va dégueuler, hein. Oh, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Démon. C'est grave, j'allais sortir un kill là. Oh, le pistolet. Ah non, c'est. Merde. Je croyais que c'était le pistolet automatique de tout à l'heure. Oh, je sais plus, j'avais tué. Allez, la sécuriser. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Ennemi dans la zone. Petit ponce, en vrai, je ferais bien une classe TikTok avec ça. Oh, le crack. Oh, le crack, il a fait le colis. C'est un bon, toi. Regarde, Hydra. J'avais pas reculé. Non. Ah, j'ai pas ramassé la sacoche. Oh là là. La hit traverse, monsieur. D'ailleurs, j'ai pas checké mes FPS depuis tout à l'heure, mais... Si je m'en suis pas plaint, c'est que ça doit être mieux qu'hier. Là, on est comme à une heure de stream. Hier, j'avais déjà pleuré au moins 3 fois sur mes FPS. Vous êtes pourchassé par une équipe ennemie. Ouvrez l'œil. Un nouvel objectif a été indiqué. Oh là là. J'ai failli crier, hein. J'ai failli crier très très fort là. Wesh, Mizi. Eh, y'a trop de badges vérifiés dans mon chat là. Vous faites trop les stars, les gars là. Y'a des mecs qui sont pétés de thunes. Ils ont 500 000 abonnés sur TikTok et. Ils veulent pas envoyer de sub. C'est un truc de ouf. Moi j'ai pas les moyens, j'ai 70 000 abonnés sur TikTok. Tout le monde sait que TikTok ça rapporte grave. Hein. Oh là. Alors, il a pas pris ses balles et d'un coup, j'ai mis une grosse D5. Encore 25 dans la zone des opérations. Yo. Oh là là, mes mecs ils ont quoi avec leur couteau depuis tout à l'heure? Ouais! Musi pour les 5 subgifs, let's go! Let's go! Voilà, bah bienvenue à toi dans l'Apex, Musi. Ça t'aura coûté 5 subs.
Bien sûr, mais bien sûr, oui. Bon, faut que je recharge ma Travours là. Merde. Je pensais pas qu'il allait vraiment me repiquer le chien. Trois. 2, 1, explosion. C'est français ça. Mettez une exclamation rare dans le chat là pour Hydra. Là. Ah, enclue, non. Le mec me cut après. Oh, c'est encore Loïc. Désolé Loïc. Elle a du mal à toucher là. Merci beaucoup, oh. Merci beaucoup Sidaria, frère. Sidaria pour les 5 subgifts. 64ème subgift pour Sidaria. Mais j'attends quand même ce d'Hydra là. Non, envoie pas Hydra, envoie pas. Parce que sinon je viendrai plus jamais sur ta chaîne Twitch, moi. Parce que si je viens, je vais me sentir obligé de devoir payer. Là, ça me fait paniquer. Ah, oh, j'ai fast time. Wow. Putain, j'ai pris ça, notre mec. Merci Loïc. Putain, c'est trop bon, Loïc. Je le savais depuis tout à l'heure. Je crois qu'on a une belle game pour YouTube là. Faut pas la choc celle-là. Si le contenu te plaît, il faut liker. Et mettre la foutue cloche. Par contre, l'hélico, faut lui mettre une bastos. Hein. C'est quoi ce bug là? Faut lui mettre une putain de fléchette d'arc à l'hélico là. J'ai peur. Je perds grave du temps, c'est grave dommage là, j'aurais pu faire beaucoup plus de kills. Enfin, de loin, il fait pas très mal là, il traverse. Hein. C'est une machine à être marqueur de loin. Trop pas face au shop. Besoin de reconnaissance sur ma position. Un drone arrive sur zone. Marqué. Allez, allez, allez. Il y a toujours 5 équipes là. Faut au moins que je fasse 30 là. Ah là, à terre. Oh. Je le kill, yes. J'aime pas se battre, mon bar. Allez, je suis trop un bon. Dispositif de reconnaissance activé. Ah, je me demande si à l'ancienne j'aurais pas break le mec là. Expo. En fait, mid-range, elle est vraiment trop forte l'arme par contre. Hein. Il est passé en fantôme.
C'est son colis ici. Non ? Il y a 4 mecs au premier étage. Oh, je vais crever, je sens. Il va y avoir trop de monde pour moi là. Allez, mon pote. Voilà, à terre. Fuck. Allez, mon pote. Voilà, à terre, on t'a dit. Enfin, elle est forte quand même, normalement. Ils sont tous sur le top. C'est la droite ça. C'est la droite ça, oui c'est la droite. Allez mon pote, on peut le faire. On peut le faire. Un mec au souterrain, je suis un V2. Oh non. C'est chaud hein. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Il s'est cassé les jambes le teammate. Il s'est cassé les jambes l'allié. Oh oui, le couteau pour la last. Oh là 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 là, c'est trop bon. Le jeu est trop bon, par contre j'ai pas fait 40, je suis dépité sa mère. Oh là là. Et le teammate qui s'explose le front frère sur le sol, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu bordel. Bon, le bilan pour cette Ultra Burst, le couteau est incroyable, hein. Je tiens à le préciser, c'était pas censé rentrer, c'est rentré, c'est incroyable. Presque 40 kills avec, tu l'auras compris, l'arme est vraiment très très bonne en close et mid-range, à longue distance, pas très très efficace, mais on a quand même sorti une très bonne game, donc pour du Reaper Salon, franchement, je conseille beaucoup. Et surtout, je conseille la Ultra Burst aux joueurs manettes, parce que clairement, clavier souris, les armes à rafale, c'est pas trop ça. Donc les joueurs manettes, testez la classe, franchement, j'étais agréablement surpris de voir déjà que ça tirait aussi vite et que ça touchait aussi bien, même au clavier souris, donc franchement, à la manette, ça doit être vraiment très très bon. Et une petite note, je dirais un petit 6,5 sur 10 pour la Ultra Burst. À la limite, je serais monté sur un 7 si je jouais à la manette. Mais 6,5, c'est déjà pas mal, je trouve, pour une arme à rafale comme ça. Bref, on enchaîne avec la deuxième arme, la Type 100. Alors lui, sa cam, elle me fume à chaque fois. Type 100 enflammé. Ah, ça a l'air lent de fou là. Enfin... Ça a l'air super lent, ou alors c'est lui qui est lent. Bah, je suis mitigé là. La classe a pas l'air ouf, hein. Je vais voir, on va tester, hein. On va tester. J'ai fait pause au bon moment, let's go. L'enculé qui met la classe une demi-seconde, là, on connaît ça. Bon, alors en classe, on est sur un silencieux mercure. Canon, on est sur le troisième. Déflecteur ardoise pour la lunette. En cross, on est sur la Warubachi Skoletrao. Donc, c'est celle-là. En 1, on est sur ça, déjà de base, nickel. Ensuite, on est sur le chargeur 48 cartouches, donc le troisième. Munition incendiaire. J'aurais peut-être mis allongé, moi. Elle a l'air d'être lente, là. Poignée polymère. Atout 1, acrobatique. Atout 2, rapide. Voilà. On va renommer ça type sans TikTok. Y'a moins que c'est bug, parce que j'ai regardé les bitrates, là, j'avais marqué 7000 au lieu de 2000. Oh. Petite balle dans le pied. Bien joué, ça mec, t'es un très bon joueur toi. Je suis un gros rageux, il fait ce qu'il a. Loupé.
je m'habillerai tout en Gucci. Mec, je triche trop, c'est... Je triche tellement. Qui donne. Imagine, imagine je touchais là. Ouh d'accord. Quatre mecs contre le center à ce stade de la game, ils ont sûrement leur classe. Ouais, il y a un quart bien, si c'est pas de bêtises. Désolé le teammate hein. J'ai pas lui finir son sa raise là. Mec, y'avait pas du monde ici là, les deux secondes. La team sort est super lente les mecs hein. Lente mais efficace. Est-ce que mettre balle allongée, ce serait pas plus sympa que mettre les balles enflammées? Par contre, les gars, j'ai quoi comme atout en 3 là? Je vais me tromper, hein, j'ai pas survolté là. Hein. J'ai 14 kills des équipes récentes. Hein. Ouais, moi je suis plus team balle allongée aussi, Biro. Là c'est un peu lent. Après ouais ça fait mal quand même hein. Il reste un mec, ça a pété une porte. Ah oui d'accord, mais il reste beaucoup de monde en fait. Je savais pas qu'ils étaient à terre, gros. Il reste 10 équipes zone 2, les gars. Ça peut être une game de fou. On peut faire un truc de malade, là. J'ai le don pour mettre dans la merde, non. Pourquoi j'ai mis cette arme? XM4x3, ça aurait trop fait le café là. Je peux y aller, je crois. Si, j'y vais. Y'a une team qui s'est fait team wipe. Y'a le gaz. Putain, je suis nul. Je suis trop nul. J'ai 20 kills, il reste 9 équipes zone 2, ça peut être... Oh, eh, si j'avais une... XM4x3 et une wellgun, là j'aurais pu faire un truc de malade. Non, le teammate fait des kills.
J'ai un HP. La game est ruinée. La game est ruinée, y'aura pas de colis. Oh, je suis deg. Yes, c'est mon arme en plus, let's go. Ça va, j'étais mauvaise langue. Il reste 26 mecs. Okay, let's go. Il reste 9 équipes. Ah, oh, c'est dommage que je. Ah, j'ai pas trop de temps. C'est trop dommage. Je vais m'acheter un colis, je crois. Let's go. Ah, j'aurais presque pu attendre. Oh, il m'a volé. Ah, oh, j'ai survolté pourtant. Oh, c'est si lent. Mais c'est la 30 déjà. Mec, j'ai un lobby de malade là. Oh, il reste beaucoup de monde encore. La game est incroyable. Merde, j'ai passé pour le teammate. Les calculs sont pas bons là. Mec, c'est. Je suis tellement concentré là. Non, c'était mon kill. Attention, le drone n'a plus de carburant. Le gaz arrive. Non. J'ai fait que 39 kills. J'ai fait que 39 kills. Putain, je pouvais tellement faire plus. Oh, si j'étais pas mort déjà, j'aurais fait 40 sur. Oh là là là, j'aurais tellement pu faire plus. Encore une 39 kills à la type 100. Franchement, la classe très très bonne. Beaucoup de dégâts, j'étais trop surpris. Je crois que c'était ma première ou deuxième game avec la type 100. Merci encore à Jorel de monter mes armes. Et franchement, ouais, très très bon. La classe, j'étais pas trop sûr. Donc les games qui ont suivi celle-là, j'ai fait des modifs, j'ai mis allongé, j'ai enlevé les balles incendiaires, tout ça. Franchement, au final, la classe du mec que j'ai joué, c'était la meilleure. Enfin, du moins, elle était mieux que les classes que j'ai joué après. Je pense qu'il y a quand même des petits trucs à changer. Peut-être la poignée arrière, la limite, je sais pas. Il y a forcément des trucs à modifier pour que ça soit encore meilleur. Mais pour une arme qui jamais joué, franchement j'étais grave surpris, donc je mettrai la note de 7 sur 10. Et on va enchaîner avec encore une SMG, cette fois la Lapa, une arme couloir. Et est-ce qu'on va faire une 40 bombes dans cette vidéo? Je ne sais pas. Ça
c'est un TikToker de fou ça. Et en plus, il a donné la bonne classe. Eh, les mecs qui font des TikTok, faut qu'ils prennent exemple sur ce mec là. Le type, il donne deux classes. Une pour la lapa quand t'as la lapa niveau 46 comme dans son TikTok. Et une quand tu l'as niveau max. Lui, c'est le roi des TikTokers, frère. Moi, je fais ça comme classe. Moi, je joue le 40, pas le 50. Jamais testé le 50, on va voir. Et ça, c'est lui, c'est un vrai TikToker, lui. Là, on vouch fort. Donc, du coup, lui, sa classe, c'est quoi? C'est qu'il met le chargeur 50. Sinon, il a tout comme moi. Le micro flex, le canon, c'est bon. Agency, c'est bon. Poignet bruiser, micro flex Dell. Je valide. Je vais tester le 50. On va voir si ça gêne le fait de mettre 50. Moi, je me suis là d'habitude. T'as quand même plus de mobilité. Mais t'as 10 balles en plus sur lui. On va tester la sienne. La sienne. Dans les douches. Oh là. Comment ça? Et déjà 2 kills, je suis à mon prime. C'est une kill de vrai ou. En semaine A le vrai, en B le faux. 40-60, arrêtez, ne touche même pas 2 euros. Je vais péter un câble là. Putain de sa grande tante, ce fils d'up là. Tu croyais quoi? Tu as tué mon pote? Ils ont dit merci. Il fait quoi, MTVAC ce fils de pute là? Eh, je vais péter un câble. Je viens de me prendre un coup d'RPG là. Oh, il est chaud de ouf! Enculé! Petit flic sur le cadavre là-bas. Let's go. Elle est trop forte cette arme. Oh, en plus c'est une petite bague. Faut que je les éteigne. Ils sont tous en fantôme. Quoi? You good pastor? Airpun kill? Il est sur le toit le mec là non? Ah, y'a la zone. Oh. Ouais, je dirais que la lapa est excellente hein. Oh, je mets. Danse toi! Mets une robe et danse toi! Et toi aussi, mets une robe et danse. Bah trop du travail avec les amis toi. Écho des stations de ravitaillement ont été assez solides. À largage qui approche de votre position. Laissez tomber. Tu vois avec. Ah, il joue avec le truc de merde là. Il joue avec les cartes de combat l'enfoiré. J'ai repiqué super vite en drop shot. Ils ont tous attendu viseur fixe. Alain Juppé, let's go. Rends l'argent Alain. Ah ouais. Des fois ça demande pas d'effort de faire un kill hein. J'aime pas bouger mon viseur là. Merci le script. RPG à mes pieds, je perds deux plaques.
J'aime ce jeu. Mais que quand il est avec moi. T'as jump? Ils ont jump, putain. Pourquoi j'entends pas les parachutes s'approcher? Elle est forte la lapin. Hein. GG, punkill, on t'aime. Merci Deto. Putain, ça fait trop plaisir ça. Ah, ça fait moins plaisir ça. C'est bon. Dieu merci, j'ai mis le simulant, il y avait des balles enflammées. Et Dieu merci, j'ai pas regardé le capteur là. Moi j'ai pas rechargé. Je préfère le 40 cartouches hein. Et B. Pas là pour rigoler avec l'arme. Ça respawn encore? Je veux trop des kills là, j'ai trop faim. Merde! Merci mon ref. T'as fait combien à la 20? J'ai 20 kills là. Non, ça va pas. C'est parce que t'as fait Eren Jaeger, gros. C'est grâce à toi. Oh, sa mère, Houston. Non, mais. Ah, je suis mort. Bah, je suis mort. Putain, sa mère, la pute. Non! Est-ce que je peux me reste ou pas? Yes. Le gaz se rapproche. Rejoignez la nouvelle zone. Heureusement que j'ai une self. Attention, le gaz se rapproche. Là, ça, c'est la route de la win, ça. Let's go baby. Allez, refais Eren Jaeger s'il te plaît, je t'en supplie, refais-le. Refais-le bien, s'il te plaît, je t'en supplie. Gros, j'ai tout fait pour qu'on gagne, tu refais le plus fort possible. Hurle. Fais-le, fais-le. Enfin là, je crois que t'as fait trop fort, le micro il s'est pas activé. Je crois que t'as cassé le micro là. Eh, tu m'as arnaqué là. Au nom de Joe, il va muter là. Bon, déjà désolé pour ceux qui n'ont pas suivi SNK, ils ont pas compris le délire avec Eren Jaeger. Mais bref, revenons à la Lapa qui est franchement excellente. Très bonne arme, j'aime beaucoup. La game était pas ouf en vrai, on a fait 23 kills. J'ai fait un stream, parce que bien évidemment je stream chaque après-midi sur Twitch. J'ai fait un stream à la Lapa, ça a duré genre 1h30, 2h. J'ai fait plein de petites games, mais comme celle-là. Des 20, des 23, des 24, des 25. Celle-là était plus drôle, donc j'ai préféré celle-là. Mais franchement, l'arme est très bonne. Je conseille de la jouer, surtout pour les joueurs clavier-souris. Vraiment un bon feeling avec cette arme pour les claviers souris. Et pour ceux qui sont à la manette, peut-être enlever le micro flex que j'ai joué et mettre autre chose, peut-être une poignée arrière, je sais pas, un truc comme ça. Mais franchement, j'aime beaucoup cette classe, une de mes classes préférées. Mon arme préférée sur les trois qu'on a pu tester aujourd'hui, je vais attribuer la note de 7,5 à la Lapa. Et je vous encourage vivement à la monter parce que ça, c'est une arme qui sera pas patchée, qui sera pas buff. L'arme, elle va être entre guillemets oubliée alors qu'elle est très bonne. Elle a pas eu le succès, je pense, escompté à sa sortie. Mais franchement, la Lapa, on est clairement sur une masterclass. Et c'est déjà la fin de la vidéo, les gars. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Je compte sur vous pour défoncer la barre de likes. Faut qu'on pète les 4000 likes pour l'épisode 7. Et franchement, aujourd'hui, on s'est régalé. Un très bon épisode, des grosses games, des bonnes armes. Donc franchement, j'ai bien kiffé. Pour les plus fidèles d'entre vous qui veulent participer au référencement, je vous invite à commenter votre arme préférée. On avait donc la Ultra Burst en premier, la Type 100 en deuxième, la Lapa en troisième. Personnellement, j'aurais écrit Lapa en majuscule pour montrer que j'étais un vrai fidèle. Et bref, nous les gars, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain stream. C'était Punkill. Ciao tout le monde. Moi c'est Punkill, j'ai capté ton viseur, tu veux bluff qui? On s'est quitté, tu devrais quitter. Si t'es équipé, tu m'auras presque. J'ai spammé ton écran, j'ai cramé tous tes plans, t'as streamé tout le clan Apex. Oui je flex, j'ai mon équipe, rien que ça taf, je monétise. Pour mon écurie un like, t'es mal à tuerie en live. Punkill.